Les parfums du Gore, fabriqués à base de plantes naturelles. Aïcha Bovozov, Santal Chic, Neptune, Aïcha Igor de Paris, maintenant à Kinshasa. Pour rester frais et sentir bon, n'oublie jamais ça. Appelez-nous à partir de la France au +33 783 057 114. En Belgique, au +32 487 433 214. À Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Beautour, en face de Léon Hôtel. Appelez +243 82 24 54 248. Les parfums d'Igor, n'oubliez jamais ça. Le parfum d'Igor de Paris. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie, l'actualité, Forum des As, la CENI, la confusion se poursuit à l'Assemblée Nationale. Emmanuel Mbille Moulaya tire sa révérence. Moi, je présente toutes mes condoléances, en tout cas, à l'église Cité Bethel. Le pasteur, l'apôtre Mbille, moi, je ne l'ai pas connu, en tout cas, je ne l'ai pas connu dans sa gloire, dans sa grandeur, dans la fugace na union centre quoi n'est qui est T. Mais quand Kombo Nande Koyo Kango, à tout moment on parlait toujours de l'apôtre Mbille, l'apôtre Mbille, l'apôtre Mbille, et puis après quand je me renseigne on me dit mais c'était un grand homme de Dieu, il était vraiment bien, il était intègre, c'était un homme honnête, ainsi de suite, et ça fait toujours la peine de perdre des hommes comme ça. Mais quand on est chrétien, on sait qu'on n'a pas perdu un homme comme ça. Dieu l'a simplement rappelé. Dieu a appelé son soldat à ses côtés, tout simplement. Et je pense que l'église Cité Bethel va continuer à exister, va continuer à fleurir, va continuer à mûrir avec son nouvel ange qui est le fils du pasteur Mbille, de l'apôtre Mbille, le pasteur Moïse Mbille. Je pense, donc je présente toutes mes condoléances au pasteur Moïse Mbille, toutes mes condoléances à la grande communauté de Bethel, grande communauté Bethel de partout à travers le monde. L'ange de l'église est parti. Je suis convaincu que Dieu n'est pas parti. Dieu est resté avec vous et Dieu continuera à vous assister, à vous aider, et surtout à traverser cette période, cette étape, mais à garder plutôt les caps. La bonne manière de prêcher, disons, la bonne manière de pleurer, papa Mbille, la bonne manière de pleurer, c'est de rester dans ses traces. C'est rester sur ses traces. C'est de suivre ses commandements. C'est d'essayer de faire ce qu'il vous demandait de faire. L'obéissance à la parole de Dieu, le fait de s'imprégner dans cette affaire, le fait de donner tout son cœur à Makambango, comme lui-même l'apôtre Mbille, c'était un homme, il paraît très désintéressé. C'était pas un monsieur qui était derrière l'argent, c'était un papa rassembleur, un monsieur logique, un monsieur qui craignait Dieu vraiment, un monsieur qui faisait des miracles, bon, que Dieu utilisait pour faire des miracles, si vous le voulez. Alors, c'est ce qu'on nous a dit de cet homme, de ce grand homme de Dieu qui est parti. Et à voir les commentaires des gens, à voir comment les gens parlent de lui, ah, vous dites, mais c'est important quand même. Hein. C'est vraiment important qu'on parle, que vous ayez aussi un bon témoignage, un si bon témoignage, et modèle, voilà. Donc, des cœurs avec le pasteur Moïse, des cœurs avec l'église, la communauté Cité Bethel, Tosana Bino et Sikamoko. Alors, nous avons encore une fois la CENI, le saut dans l'inconnu devant la tentation d'un forcing par la commission paritaire. Moi, je crois que nous n'allons pas nous en sortir si nous allons dans la logique d'avoir tout le monde, Bandima, et aussi Mbaté. Il y a des gens qui sont de mauvaise foi et ils ont prouvé qu'ils sont de mauvaise foi. Il faut que la République survive dans ma caprice Nabisso. On doit passer. On ne doit pas rester là en train d'attendre. Soit on reste, on accepte qu'il y aura glissement. Si on ne veut pas qu'il y ait glissement, qu'on avance. Même si on n'avance pas, mais tantôt avancer, car il y a Kende. Élection 2006, et Salima Kindengenin. 2011, Nengenin. 2018, Nengenin. Tant que vous changez modèle T, vous aurez ces mêmes problèmes. Tant que vous allez continuer à avoir la CENI, vous aurez le même problème. Alors assumez. Moi, ça me fait rire parce qu'on leur avait dit. Changez des caps, quittez ces secteurs de la CENI, revenez dans le ministère de l'Intérieur, organisons les élections dignement. Ils n'ont pas voulu nous entendre, ils ont voulu aller dans ce sens-là. Le professeur Njoli, est passé ici chez moi au plateau. Il me l'a dit devant tout le monde, Christian, le problème ce n'est pas le président de la CENI, le problème c'est le secrétariat technique. Bangonde, bazan la problème.
L'enjeu électoral est là. Mais regardez tous ces débats, et les prêtres, et les pasteurs, et les politiciens, tous la présidence de la CENI. Mais le problème, le véritable enjeu, il y a CENI et sa secrétariat technique, et vous n'aurez pas le temps parce que vous allez pleurer, vous allez insulter Mbosso, Bogofing Mbosso, Bogofing Ati Bogolemba. Mais en réalité, rien ne va changer. Moi, je continue à dire, et je continue à persister, peuple congolais, Église catholique, SSC, ensemble, la Mouka, PPRD, FCC, bango tout bozo mona wana bazana besoin à élection T. Bango tout bozo mona bana besoin à dialogue. Bana besoin de glisser mais bango ba clairement T. Ils veulent nous mettre dans une situation de glissement pour que bango ba justifier dialogue na bango. Na ebisi bino bolo ba teke boye ba kite. Prêtre moko a lobby, à qui profite, à qui ça va profiter? A lobby yango sanga continuer, mais ça profite à qui? Toti kaka bongo pourrissons la situation. Ils vont revenir vers nous. Bango bazolo ba ils vont revenir. Qui vont revenir? Donc binou moko déjà na mutuna binou possible mi classer déjà makambo. Parce que ceux qui makambo ont évolué té c'est Fachi qui reste au pouvoir. Ne vous en faites pas. Bon c'est distraire té. L'histoire risque de se répéter. Bongo ça na théorie na binou lokutawa, il y a autre transition sans Tshisekedi. Bongo ça la on est bolingi mais après à la fin de compte, vous n'aurez pas gain de cause. Ici, il faut s'assumer. C'est-à-dire, eux-mêmes savent, eux-mêmes le disent. Laissez-le partir, donc ça, le dialogue. Et nous aurons, on va négocier, mais alors, si vous dites que vous allez négocier, entre guillemets, Yamalam, mais pourquoi vous ne faites passer les temps à l'Assemblée nationale? Dites clairement que vous voulez le dialogue. La Mouka ne s'est pas cachée. La Mouka ne s'est pas cachée, mais le but que tu en as besoin de dialogue. En réalité, personne n'est prêt à aller aux élections. Moi, quand ça a bien noté, Covid est embrouillé, ma finance n'est pas embrouillée, qui n'ont pas de moyens. Ils disent non, n'allons pas aux élections, mais non, on va perdre. N'allons pas aux élections, dans une minute, donc on perd. Bloquons la situation, faisons un dialogue, donc on a partage à pouvoir, et puis on est le Kabongo. Alors, ils veulent nous faire traîner pour rien. Donc, c'est à nous de décider maintenant de ce qui va se passer. Monsieur Mbosso, moi, je considère le demande au président Mbosso de travailler dur. Pour faire passer ma résolution, c'est important. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Parce que, comme on dit, un pays qui est gouverné par l'opinion ne saurait l'être par la compétence. Ce n'est pas possible de faire avancer le pays par l'opinion. L'opinion. Non. À un moment donné, il faut que l'État lui-même se crée sa propre opinion et que ça se fasse une idée et puis qu'on avance. Parce que là, on va reculer. Et ça ne servira absolument à rien. Il fallait donc que je le dise quand même. Examen d'État à Kinshasa, 132 810 finalistes pour la 56e édition. Mais les photos que j'ai vu des photos au badge, examen d'État. Une légèreté extrême. Les enfants dorment dans l'examen d'État. Ils ont mis filmé. Alors que c'est interdit que téléphoner Kotakuna. Donc vous voyez la légèreté avec laquelle les gens font les choses, quoi. Et quand on va dire, bah, être dans tous les médias de la haine. Bon. Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, à l'assaut de la FEC au Katanga, protection de l'industrie locale, compétition dans le cadre de la ZELCAF. Voilà. Guy Loando présente le projet d'organisation d'un atelier à Samaloukonde sur l'annuaire national des ressources naturelles du sol et du sous-sol. Je crois que je vais rencontrer le ministre Guy Loando pour qu'il me donne un peu les idées de ce qu'il pense na Nouero. Dans le cas où il y a une idée d'une exactité, le bien fondé d'Ango et Rosala Nini. En prélude de son concert au Zénith en musique, il faut le bel quand même, hein. Sami Abunago rassure Noël Ngiama du soutien des affaires étrangères. Werenson à Rosala Zénith. C'est ça, non? Oui, Werenson va être na Zénith. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura ta musique bien? Est-ce qu'il n'y aura pas de problème? Est-ce que... Peut-être ça va se faire comme Fali l'a fait. Peut-être ça va être une certaine réouverture. Et vous allez très bien. On revient sur l'actualité. À Kinshasa, en collaboration avec la PNC, les services de sécurité, le gouvernement provincial veut en finir avec la drogue bombée. Donc, il y a une révélation qui est dans Ndaku. Le dossier Bukangalo a été envoyé en fixation devant la Cour constitutionnelle. L'ancien Premier ministre Matata Mpogne Mapon est poursuivi pour détournement de deniers publics. D'autres personnes sont également citées. Le procès sera public selon certaines sources. Dossier, il y a Bukangalo, on a déjà que Moutoumoko,
Naoki Mutumoko, na FPI, a okuera dossier Bukangalunzu. Je connais son nom, mais je ne peux pas citer parce qu'il y a un messanate, Kotanga Bakombo Batu. Mutumoko, dans la FPI, il va faire la prison pour un dossier Oyo, il y a Bukangalunzu. Il faut quand même en parler. Je vous avais dit, et je continue à vous le dire, les gens vont tomber dans cette histoire. IGF, Azaloko la Pitbull. Moni Batoubebi Pitbull, Batoubebi Banyam Bamboa, ils connaissent qui est véritablement un Pitbull. Le Pitbull est différent des autres chiens. Le Pitbull a une mâchoire, mais comme une hyène, à la somme. Des figures impressionnantes, c'est vrai. Mais nous autres, on dirait le roman bouquet, quoi. Mais pression, il y a la mâchoire, il y a Pitbull, sera bloqué, yo, pour tikali, comme vous en avez passé. Et c'est ça la logique de l'IGF. Tant que Babenga Kleboa, c'est pas pour rien. En fait, quand ils se mettent dans une affaire, c'est difficile qu'ils s'en sortir boué. Ou s'en sortir que Bimi Peo, ou Bimi na Kleona, et moi pas si. Et nous sommes en train de le vivre, on est en train de le remarquer. Le Kambabukangalonzo, oh, IGF a tellement maillé les Nakationa que c'est difficile que quelqu'un s'en sorte comme ça, hein, de bonnes guerres à Bimi, et pas si. C'est très difficile. Et l'affaire de Bukangalonzo, comme je vous ai dit, beaucoup de gens vont tomber dans ma cambo. L'inspection générale des finances fait cap sur un dossier explosif. La vente et la modiation des actifs miniers de Gécamines. Comment les prédateurs ont organisé le pillage de la RDC? Le rapport arrive. Mande Konangaï, notre avantage, c'est comment dans ma cambo avant. Il y a comment dans bien avant. Je vous avais dit ici. Il y a 54 entreprises minières qui ont bénéficié de la grâce et de la faveur, de la couverture. Il y a groupe Mogobo et Batuakala. Naïbe Sakibino qui avait un coordonnateur et puis une ancienne dame qui était chef d'institution. Il y a une institution économique, une institution judiciaire, une institution politique. Bango mi balé. Va faire empêcher Namboka Oyo 54 milliards de dollars. Donc, 9 entreprises ont été attaquées. Mais qui est tout le monde va devoir dans l'État 9 milliards. Imaginez, 54. Mais va traquer 9. Il faut se rendre compte qu'il fallait pas foutre à l'État 9 milliards de dollars. Si vous imaginez 54 moins 9. Batikali, combien d'entreprises ont émané qu'on fout ta bambou, on a bambou convenablement, puisque protégé par deux personnes, Wana? Un monsieur, un coordonnateur? Il y a une entreprise moro quelconque, s'occuper à un parti politique, mais imité, mais en tout cas, un coordonnateur. Non, moi aussi, moi, avec qui m'conzi. Bangonde, batalaki na makambouana, na tangi kombo ya moutouté, ceux qui bloquent qu'on soit ma photo, ma tout ma vidéo, na bino moko bozo ma responsable ma vidéo ana ngai Christian Bosembe na tangi kombo ya mututé et ça pour nous banga ba tuté mais ça pour nous banga bozo ba tout mususu. Donc ba tuana ba peki samboka na biso ezwa mbonga modèle. Ça veut dire que nous avons 5 milliards 6 milliards eux se tapent, c'est la coule douce, des milliards de dollars. Comment vous imaginez, comment vous voulez être riche si deux personnes, bon pas deux mais un groupe, il y a Batou. Batou a empêché que 54 entreprises minières et foutent un bon onango normalement. À ordre, il y a 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard par an. Hein. Donc seulement avec les mines, on pouvait nous retrouver déjà avec 1 milliard, avec une sorte de 54 milliards ou même 50 milliards. Bon, prenons au plus bas mot. Toi, tu as 20 milliards, Kassi. Ça veut dire que nous partons dans une situation où nous perdons pratiquement 20 milliards de dollars dans le modèle. Voilà. Bon, ceux qui sont dans le secteur est mine, 20 milliards et Zobunga. Bon, rapport Louzolo, à lui 15 milliards. Donc voilà, 35 milliards. Ça veut dire que nous sommes dans beaucoup qui ont travaillé pendant ma cité, nous pouvons nous retrouver comme ça avec une histoire de 22, 23, 30 milliards de dollars. Mais qui nous regarde 6 milliards, 5 milliards, 6 milliards, 5 milliards, 6 milliards, 5 milliards. Pourquoi? Parce que des gens ne l'ont pas fait. Si Kolelo, IGF a Kotima Solowana. Il y a un autre dossier brûlant. Oyo soki IGF a Kotima Solowana, ba te belé ba okangama. Et dans le dossier, il y a RM. Permettez-moi. Il faudra trouver un mot facilement. Parce que quelqu'un m'a envoyé. Voilà. Et dans le dossier, il y a ARMP. Voilà. ARMP.
Voilà, voilà. C'est un dossier brûlant et dans le secteur Oana. Na RMP, il y a un dossier brûlant. Et moi, je ne suis qu'une sentinelle. Nous allons dans un cac. Na avertir dans un cac. Il y aura un contrôle qui va se faire dans le secteur Oana. Ma Kamboza tellement ébélé kuna ébélé bako kangama. Au moment de la FPI, il y a des gens qui vont tomber là-bas. Prenons la date, prenons rendez-vous. Moi, quand je vous dis des choses, il finira toujours par kokoma. Naibisa Kabino à l'époque, na moni mo simo kakoui. Moi, c'est à Kouya. Naibisa Kabino à l'époque, na moni moutoumo bakangi. Bakangi. Je vous avais dit. Et je vous dis encore aujourd'hui. Prenons juste rendez-vous. Il y a des gens qui vont faire la prison. Na Makambo. Bon, moni Makambo, prison au Salem. Vous voulez encore une autre révélation? Vous savez, Makambo, inerbe. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vont aller en prison pour le moment inerbe, voilà? Est-ce que vous bien, non? Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a un monsieur, qu'il y a des gens qui vont aller en prison pour le moment inerbe? On dit que ma docteur est un ingofungamibo. Il y a des gens qui vont aller véritablement en prison, hein, dans le dossier Covid. Donc, il faut dire aux gens, Makambo et Kosalema, pour qu'il y ait Bakke et Kosalema. Les gens, on a, oh, Makambo, y'a à modiation, n'a pas actif minier. Beaucoup d'entreprises minières ou Kanga. Oui, certaines entreprises vont fermer. Parce qu'ils n'ont pas été coopératives avec l'État. Ils ont voulu coopérer avec des hommes alors qu'ils savent. Dans les pays respectifs, dans Bango, ils ne peuvent pas faire ça. Mais ils se sont permis de le faire chez nous parce qu'ils avaient des gains. Et ils en auront pour leur compte. Ne vous en faites pas. Oh, Toloba quitté. Tolobi, hein. L'Assemblée nationale a voté ce lundi la proposition de loi sur la taxe de promotion de l'industrie, le TPI. Hein, la TPI, je crois. Le dossier IGF, détournement des deniers publics, par le Gouv Atou Matubwana, son directeur de cabinet Jean-Claude Nzenza, Nzingeti, et le comptable Jean-Willy Mafuala, aux arrêts au parquet de Matadi, est prêt à être acheminé à Kinshasa ce mardi. Dans le Maniema, 4 condamnations à perpétuité et 11 acquittements dans le procès du meurtre de médecin chef de zone à Lusangi. Exeta, Tanganyika, la sous-division de l'EPST Manono, incendiée par des élèves absents des listes de candidats. Messieurs et dames, vous avez vu une vidéo hier. 2 vidéos. J'ai été contacté par, je vais dire, un groupe de gens qui m'ont envoyé une vidéo. Balobi nanga vidéo wana, ezali vidéo ya mosi moko na na INSS. Hein? On a dit la vidéo d'une dame de l'INSS, une vidéo extravagante, beaucoup d'argent et tout le reste. Maintenant, les gens ont voulu que je commente cette vidéo. Mes frères, permettez-moi de vous dire une chose. Je ne suis pas une caisse à résonance, une caisse de résonance. Non. Je ne suis pas non plus fanfare. Oh, Moutangoya, Betimimo et Bimité. On a un filtre. C'est-à-dire que le lobby qui a mon aïeux, Pessinga et les mains aïeux qui n'attalient, Batobele Batine Langa Belimana Bangona, le Belanga Nangote, pourquoi? C'est soit je n'ai pas encore fait des analyses profondes sur la question, soit je ne me suis pas encore rassuré de la chose, ou bien dans une notion de cloche, morceau sauté. Parce qu'on ne peut pas faire une émission tout entière sur une vidéo qu'on n'a pas compris, sur une vidéo qui n'a pas été comprise, sur une vidéo qui n'a pas été étudiée. Il faut n'aïe bas, est-ce que ça véritablement. Yamukolo Nango, est-ce que je suis censé connaître ces choses-là? Parce que au moment où ils sont dans le canal TV, tout ça a la responsabilité. La responsabilité n'est pas d'aller à quoi faire comprendre Bino Makambo. Il y a quoi le Bino Makambo qui est pas le bouc qui est en déroute. Moi, je ne suis pas un excitateur de la haine ou de la colère. N'a quoi manipuler Binoté. J'ai beaucoup de respect pour vous. Je ne peux pas vous manipuler. Donc, si les gens veulent manipuler des gens, il y a beaucoup de médias qui sont là pour ça. Moi, chez moi, vous ne pouvez pas. Je ne peux pas vous manipuler. Et ce n'est pas parce que vous me dites que « Ah, Mouta FCC, Ah, Mouta Kabila » et que moi, je dois me retourner contre lui. Non, non, on a l'arme contre ma kabiliste. Seulement, nous devons dire la vérité là où la vérité est allée. Je suis en train de suivre le dossier, de savoir ce qui est réellement yaye, et ce qui est yaye, toi, bah, azu yango comment, peut-être. Azu yango comment, peut-être qu'azu yango... Bon. Bref, il faut vraiment connaître ces choses-là pour ne pas incriminer une pauvre dame ou pour ne pas incriminer une famille. Je pense que cette femme-là a des enfants. Et que ses enfants ne seront pas contents. Keba mona ke mama na bango ba komone tangena ninga ya mabe alors qu'on a une fausse information. Il faut que se calmer, tout en solution. Mais une autre vidéo qui fait le tour du monde, c'est la vidéo de monsieur John Numbi.
Là, au moins, les choses sont claires. Là, au moins, la vidéo, elle est parlante, elle parle, elle est normale. La vidéo, elle est là. Bon, on a besoin de ça. Minouki, n'est-ce pas, il y a un d'accord, il y a un d'accord, individu. Minouki, il y a un type, il y a un modèle, il y a un. Alors, je me pose la question. Est-ce que M. Numbi est le seul général à avoir un armement, ce qui convient à dire, c'est un arsenal aussi puissant, le Kolaye de Motuna. Est-il le seul? Est-ce que ça, ce n'est pas un moyen de nous révéler que tant qu'il y a un modèle OMAB, modèle OLG, le bras, modèle OMA faux, au bâtiment, se retrouver. Il y a des gens quand même, on doit se poser des questions. Mais nous, on est bien, on fait ni nanda kunayo. Ça fait quoi exactement? Bon, dans une maison, au goût de l'habitat, et ça bouge. Bon, ce qu'on a dans le goût de l'habitat, ce coup-là, ton goût, t'as un char de combat, t'as une roquette. Pour nanda kunayo vanda kate, ton goût, t'as un modèle. Ce qu'on a dans le goût de vanda kate. Ce qu'on a quand on y a un entraînement. Vous voyez un peu comment ça peut. Ça, à quoi ça peut. Ressembler ce que Bino Batou Boye qui veut dire Fachi, armé, bébé, Zoka armé, Balamoko à un mois, Talabino Kaboué, Bataki Nango déjà, ce que veut dire Fachi, dans un mois, t'as un pouvoir à Zoua armé. Bino Boumouna Boumouna Mango, Ningenin. Vous voyez? Donc ici, c'est pourquoi je le dis au début, dans la première partie, de l'Obaki, que c'est au président de décider qu'est-ce qu'il veut, surtout dans Makambo armé. Yende Moutaïbi, on dit l'armée. Quelqu'un me disait, et je crois qu'il n'a vraiment pas tort, l'armée s'auto-nettoie. Oui. Les secteurs publics s'auto-nettoient. Vous savez, si vous voulez nettoyer l'appareil judiciaire, donnez le pouvoir aux vrais magistrats, aux vrais avocats, aux vrais greffiers. Eux, ils connaissent tous les mafieux. Et ils vont faire la course dans ma mafieux. C'est exactement comme on a fait à l'époque, non? Pour chasser les meilleurs. On a donné le pouvoir aux faibles. Et les faibles connaissent comment faire mal aux meilleurs. Comment faire la chasse au meilleur? On a insisté dans la chasse, il y a ma meilleure Nabisho. Donc on peut faire la même chose aussi. Donner le pouvoir à ceux qui connaissent. Au sein de l'armée, certains militaires connaissent la mafia mieux que quiconque. Ba militaire Nabisho congolais ka ah ba yebi, ba généraux nani ba dans ba armée pas na bango ba ndaku, ba yebi qualité mindu ki ba kuna na nombre nango. Donc pour ça bango pouvoir wana. Bango mo ba binengi ba ngi ko se to nettoyer et vous allez voir comment les choses vont se régler très rapidement. Mais ça nous pousse quand même à comprendre que Mindouki est là pour la musette quand même. Mindouki est là pour ça là-bas et ça canaté. Ça avait certainement une destination. Alors, combien d'entre eux continuent à garder les armes comme ça? Combien d'entre eux sont en disgrâce, mais continuent à garder les armes? C'est des questions que les gens devraient, à mon avis, se poser. Voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la question. Voilà. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va parler d'une détention? Détention illégale, il y a ma arme. Est-ce qu'on va parler de port illégal, il y a ma arme. Est-ce qu'on va parler de détournement, il y a ma arme. Bref, c'est commis dans le domaine militaire et les infractions sont appropriées dans le domaine militaire. Ou peut-être qu'il faut dans ça, mais fornaye bayango pour que d'un coup, c'est bien. Mais à l'instant où nous parlons, les a saisi, et certainement, ils ont destination, ou loi et sengi, ils ont destination. Mais celui qui est coupable dans le modèle Luana va devoir répondre devant la justice. Donc, s'il y avait une affaire, aujourd'hui, on en a deux. Donc, s'il y avait deux, on en a trois. Bref, plus une affaire sur M. John Numbi. Et les restes, on va voir comment ça va se passer. Voilà un peu, messieurs et dames, ce dont on allait parler aujourd'hui. Moi, je vous conseille, je continue à conseiller, Nabande Konabi, ce Nyonson. Restons vigilants. Notre pays est en train de marquer un tournant décisif. Mais ce tournant demande la vigilance et la contribution de chacun d'entre nous. Apprécions ce qui est fait, il y a bien. Condamnons ce qui est fait à Mabé, mais proposons pour que Makambo qu'il y ait des biens. Moi, je pense que Yango est le plus important. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Hello. Lobby non bibay la bilo ko lia. Ba ina ka bilo ko États-Unis. Oni ko koma bo ina bona bo Genèse. Mona États-Unis. Tata yo ki kole la na bino. Atinde li bino. Mama Samira. Ndenge ozala ka na États-Unis o kole lo kola mutwaza na mombele. Lo kola mutwaza na ngaba. Merci mon bibi. Wow! Est-ce que mon bus? Bana États-Unis.
kolia bio et komi lolingi na bino. Bona kozwa, mbisi ya koka uka, tope mafute mbila. Che mama Samira. Ata ozali na posa, yambinzo, ndakala, mayebo, safu, ezali, pebitoyo. Che mama Samira, manso mazali, eloko moko te yo koluko komonate. Nandenga mabete, pona kozwa bilo kwa detail. Yuka numero, numero 938, avenue Maurice, na New York. Adresse. Il y a entrepôt 12 40 avenue Randol dans les banques. Tala yoko banda koteka misia kokauka mongusu mafuta mbila et kokoma lokola bazoka na yo. Yeyo kombone mama Samira makiambae. Plus précisément la carte de Washington. Balobi maman Marthe Nde. Maman Marthe Nde. Balobi shop Africa Union. Mais quand t'es un nyonso, il y a un nyon congolais. On y dit de la yo, à sa lisa yote. Bon à Korea na yo, mon copain de la yo. Bon à Mzoto na yo, mon copain de la yo. Bon à Mzoto na yo, Balobi bio. Bio Africa Union et toi t'es tout à quoi la machine sinon vous voyez pas y'a sinon vous voyez rien mon combo n'est pas là dans tes cas à notre cas loco y'a mboka y'a fraise y'a bio bio na bio bio na bio bio na mamba yo pula mon kanja isali parobi n'jombo y'a li et n'kouba paniwa parobi n'jenge isali y'a komba kanga y'a chwe mboto y'a mbise la parobi n'yamba y'a bosu n'yamba y'a mboko mboto y'a gane gana n'gando n'en a l'ali na base. Oyedike na sutu eza kolia na peti po mama mbande ya solo po bato comprendre te mawa ba kongore u alonu po na kolia na bino moko ba kongore ya bino kalinyo kolia na apeti. Oh,